Bonsoir, Jean-Camille. C'est un plaisir pour nous parler à soi, ou bien pour nous parler aujourd'hui, et pour nous partager l'information ça yo avec les amis nous qui ont le privilège d'écouter sur Internet là. Donc, Camille, pour nous commencer, j'aime dire là son privilège pour avec nous. Et jeunes Haïtiens qui vivent surtout ici, dans le pays ça, dans la République dominicaine, pral bien profiter des formations ça parce que nous pral parler sous call center. Bien ensemble de questions que nous pral joindre réponse ensemble avec vous. Par exemple, il y a une question ça, c'est comment un monde qui travaille dans call center si anglais intermédiaire. Deuxième question, nous pourrons parler. Est-ce que il y a un call center qui est là pour les gens qui parlent français? Est-ce que les gens qui pourraient postuler pour travailler dans le call center, est-ce qu'ils doivent avoir un niveau anglais advanced? Ça, c'est troisième question. Et quatrième question. Qui genre ambiance là dans call center? C'est une question qui est normale. Nous besoin qu'on ait comment ça est en dedans call center yo. Et il y a une question qui est extrêmement importante pour toutes les amis nous qui pourraient écouter conversation nous, c'est qui genre yo pourraient passer interview puis capable travailler dans call center. Alors nous, Exactement. oui, Camille, vous capable parler nous Oui. de vous-même qui est souillé. Et comment information ça va pour aider lorsqu'on finit gagner. Bonsoir, chef. Bonsoir, chaque monde qui peut aller pour tender ou bien visualiser. Alors, information ça y a petit moins à plusieurs niveaux. Pour moi, non, pas c'est Jean-Camille Dole. Moi, j'ai une licence en droit, l'autre connaissance à part entière, tant que droit de l'homme, droit de la femme, etc. Du point de vue professionnel, encore bon, cerveau à plein. Alors, moins content, nous pourrons parler en pile bon bagaille et moins content pour me partager moment ça ensemble avec vous. J'aime ce là, information ça va être utile moins à plusieurs niveaux parce que rêve moi c'est travail dans call center ici dans Santo Domingo. Très bien, Camille. Merci pour permettre mon cap côté qu'on est qui est-ce qu'il y a. C'est intéressant ça. Alors, pour me bien dire, ça y a environ peut-être 4 ans ou 5 ans depuis que moi j'ai gagné même rêve là ensemble avec vous. Je suis capable de dire que rêve ça l'est concrétisé parce que ça a déjà fait environ 5 ans depuis que je travaille dans le call center ici, dans le pays République dominicaine. Sans compter, il y a ban avec un paquet de jeunes haïtiens qui eux-mêmes fait carrière dans le domaine ça. Alors, question call center là, c'est un atout pour nous-mêmes, jeunes haïtiens, yo, parce que c'est un travail qui permet nous et sorti lorsque nous avons vécu ici en République dominicaine. Alors, Camille, pour me bien dire, ce n'est pas seulement dans le pays ça qui gagne un call center. Call center, là, nous parlons de qui ça lié, nous parlons de lui exister partout dans le monde. Bon, pour nous commencer directement avec Chosa. N'a pas dit avec la première question qui dit comment un monde qui travaille dans call center si anglais intermédiaire. D'abord, qui ça un call center? C'est ça qui est important, pas vrai? Oui, avant tout. Exactement. Et puis, pas fait ça. En fait, call center, ça c'est en anglais. Excusez-moi. Call, c'est appel, center, c'est centre. Donc, c'est un centre d'appel call center. Et n'apprends pas ça, yo, que y aurait les call center. Y a des contrats avec des clients
et plus précisément qui situe yo aux États-Unis. C'est grand business. Donc, et moun sa yo gen customer, ça veut dire moun qui fait contrat ensemble avec yo, moun qui achète produit, si c'est produit que yo vend, moun qui achète produit yo. N'a ba yon exemple. Par exemple, yon téléphone, c'est un produit. Donc, gen compagnie qui vend téléphone ou bien qui fait téléphone. Donc, moun qui achète yo, yo gen service ki yo recevra nan cellulaire la. Donc, parfois, yo kon besoin information sur, par exemple, comment capable activer internet sur téléphone là. C'est juste un exemple. Yo gen pou yo rele compagnie ça a besoin d'un agent qui pour recevoir appel ça yo, qui pour éduquer customer là, mais qui pour bailler des formations concernant produit là. Donc c'est là call center vient exister. Moun ki recevra appel la, ki ba information yo, soit ki ba yon information ki gen rapport avec customer service, ça nous rele service à la clientèle. Oui. OK. Ou bien li ba yon information sou sa ke nou kapab rele technical support, ça veut dire li kapab aide moun nan sa gen rapport avec technique nan yon appareil qu'elle possède. Okay. En un mot, call center là, il y a plusieurs projets, plusieurs ça carrelé et département tout. OK. Par exemple, gagne mon dans call center, c'est marketing qui est fait. Marketing qui est fait. C'est marketing. OK. C'est ça? Marketing gagne droit que il y a relé moun pou yo vann yon produit ou bien pou yo vann yon service. OK. Et gen moun c'est sales agent. La distance là ça qui vendeur en ligne. Vendeur en ligne. Ça gen rapport avec marketing dans tout parce que ou doit un bon marketer pour capable vendre produit en ligne tout. OK. Donc tout ça qui fait dans téléphone ou bien qui fait virtuel par moyen de ordinateur, soit chat ou email ou appel, qui a rapport avec business ou bien service ou bien compagnie ak client, ça vin bay existence avec call center là. OK. Tout ça qui a rapport avec business en ligne. OK. Commerce en ligne. OK? Ou bien virtual, par moyen internet. Par moyen appel. OK. Chat. Mm-hmm. Ou bien email. OK, et font-ils camper? Call center est divisé en plusieurs branches, c'est pas vrai? En plusieurs branches. Il y a d'abord sales. Qui soit dit encore? Nous capable dire généralement c'est service à la clientèle, customer okay. service. Oui, ça fait un. OK. Deuxièmement, nous capable joindre ça nous relé technical support. OK. Mais si n'a cité campagne qui est dans call center, nous pas fini parce qu'elle n'a pas dit sales et si nous dit sales c'est vente. Et il faut nous dire inbound sales, et il faut nous dire outbound sales, parce que il y a des agents de call center qui recevront appel de clients de leur compagnie. Client qui doit les compagnies tout simplement parce que ils attendent un advertisement, comme s'ils attendent un réclame son produit, ils relaient. Or, agent ça a besoin de déployer technique pour lui permettre client ça a quitté juste relé pour le faire l'acheter. Donc ça c'est inbound sales, c'est client t'est relé mais le relé agent éduqué le produit là et lui fait le venir gain intérêt pour l'acheter produit ça. OK, donc ça c'est inbound sales.
outbound sales, nous capable briller le tout, nous capable dire c'est marketing. Donc c'est une campagne côté que agent call center là travaille bien précisément pour yon compagnie, quelqu'un qui vend un service ou bien un produit, la briller un groupe de monde pour lui vendre service ça, pour lui expliquer brièvement qui ça que la offrir, vous comprenez? Donc ça tout c'est marketing. Sans compter yon ban ak yon paquet et campagne service ou bien campagne qui entre en dans call center là. Mais en un mot et Camille package, ils sont package. C'est un package. Mais en un mot Camille, nous capable de dire par exemple ici dans le pays côté na vivre moi ensemble avec vous, call center là capable faire référence avec espace côté que dans l'appliquer hein. Côté que nous porter curriculum nous aller dans human resources, ben human resources, yeah, j'aime dire là, et nous appliquer. Donc nous dit nous pas travailler dans call center, nous pas appliquer dans call center ça. Nous relé espace là call center là. Est-ce que comprendre? Okay. Donc lorsque nous fin entrer en dedans, nous fin travailler là, c'est là ça nous pral faire partie de un projet ou bien un campagne. Ça nous dit campaign in English. OK, donc là nous pral recevra un training, yo pral former nous pour ba nous formation sur qui ça nous pral faire bien précisément. OK. Est-ce que nous pral travailler en customer service, est-ce que nous pral faire technical support, est-ce que nous pral sales agent, est-ce que nous pral retention agent? Donc tout bagage ça vient après nous fin passer interview na human resource and then kounya là nous qualifier pour travail là, soit nous pral chat avec client compagnie qui balance job là, ou bien nous pral recevoir email ou bien voir email ou bien recevoir appel ou bien faire appel. Donc en un mot, c'est travail ça que yon moun qui travaille dans call center li fait. OK. OK, moi gagne yon question par rapport avec Saoudi. Très bien. Attendez. Question c'est est-ce que yon moun ka travay nan call center li ka app chat et app pale en même temps? C'est deux branches différentes. OK. C'est deux branches différentes. Mais cependant, ou ka a pale ou a entre des données. OK. Moi ouais, ça c'est branche qui plus intéressé nan parce que bamzou. Mm-hmm. Ça fait nous c'est même qui plus intéressé, c'est parce que anglais moki si c'est dans branche anglais plus écrit que moins parler d'abord moi son monde qui aime écrire en pile OK, et ça fait que moi songe l'aime d'après dit j'ai mémoire en plus mon a dit comme ça bon faut moi un monde qui pour écrire pour moi me dit non et moi pour écrire je suis fait juste pas d'écriture mais écrit mémoire ça c'était dans bon français. Anglais moins comprendre anglais et moins écrire anglais plus que parler anglais. C'est que moins parler anglais couramment, maintenant qu'au niveau advanced, moins pas gain ça parce que moins pourquoi l'école pour lui. Niveau intermédiaire là, ça moins dégage le là-dedans à 50-60%. Mais si mon n'a pas parlé trop vite, m'a bon menti, gain mot qu'a échappé, me laisse ça, moins pas chercher saisir sens phrase là pour me comprendre ça mon dire. Très bien. Alors, ça fait nous répondre tout de suite avec question ça qui dit comment yon moun ka travaille dans call center si anglais intermédiaire. Okay. Oui, li possible pour travailler dans call center si anglais intermédiaire. Et pour commencer, probablement yon capable prendre pour campagne côté que pour recevoir ou bien faire appel. Mais cependant, ou ka travaille ou voyer email parce que au bon à écriture ou ka travail pour chat parce que ou écrit bien anglais et tant qu'on progresser pour comprendre plus bien comment call center fonctionner et progressivement ou parler un agent qui peut qualifier pour travail dans pour recevoir ou bien faire appel. Est-ce que pas un call center qui parle français?
Ça, c'est une information qui est extrêmement importante parce que la plupart des jeunes Haïtiens nous parlent français. Et Jean Oudimna, Camille, félicitations parce que vous avez écrit mémoire tout seul et en français. Vous méritez un. C'est juste un guide méthodologique. Ouais, imagine pour Chita pour écrire 127 pages. Après ça, pour aller réduire à 90 pages parce que en mémoire n'en doit Gonaï, c'est de 60 à 100 pages. OK. Donc, encore une fois, Fusion Cannes. OK. Et est-ce que vous êtes capable d'écran moins cher screen? Est-ce que vous êtes capable d'avoir information qui. Oui, Ouais. moi oui. OK. Moi oui. Là, moi, sur un website. Et mais tout le monde qui. Tout jeune haïtien. Qui a regardé vidéo ça, partager information ça parce que là, sous page que nous y est là, c'est Indeed.com. Indeed.com. Yes, you can see it. Site ça comprend lui là. OK. Donc, sous site ça, il y a tout pour joindre le travail. Mais voilà, parce que l'information est en anglais, donc il y a un monde besoin anglais de base quand même ou bien intermédiaire. Mais cependant, capable de joindre des campagnes françaises. Ça va durer longtemps, ça va durer peut-être une semaine, depuis que moi-même personnellement appliqué pour un projet et français, qui a parlé français sur site ça. Donc, et peut-être application ça, il y a gardé. Vous comprenez? Donc, ça, c'est un site que jeunes Haïtiens doivent connaître. Indeed.com. OK? OK. Bon, pendant qu'on a parlé de français, en tout, on a parlé de créole. Et ça fait chaud ça, que nous relais Common Show, parce que nous avons un Common Institute, nous relais Common Show. Ça fait, c'est un show que nous devons partager avec plus jeunes. Possible, pas seulement jeunes qui en Haïti ou bien qui ici Santiago ou bien Santo Domingo, mais qui vivent dans le pays, dans l'autre ville, mais avec tous les jeunes qui sont à l'étranger parce qu'ils ont le Brésil, Chili, ou bien ils travaillent à la CAIO pendant une période pandémie, hein, depuis qu'ils ont un ordinateur avec Internet. Donc, c'est ça. Ou bien un computer. Avec yon internet qui fonctionnait assez bien, ou parler pour travailler dans le call center depuis que vous avez déjà habilité pour communiquer soit en français ou bien en anglais. Donc, à nous toucher créole, ça fait me parler de créole parce que ici, Santiago, par exemple, il y a un call center qui relaie Deda Vimenca. OK? Ça pas trop longtemps depuis que Deda Vimenka a un projet qui a cherché moun qui parle créole. OK. Et projet ça, c'est majoritairement c'est haïtien qui travaille là-dedans. OK. Mais Haïtien, ça a besoin de documents. Donc, c'est ça qui est seulement une difficulté. Mais quand même, c'est un atout. C'est un bon atout si vous avez des amis ou bien famille qui gagne et ça nous a les permis sur le travail, hein, cadre de travail que ça va bien trop longtemps depuis que vous êtes dans le pays ou bien qui gagne résidence. Donc, vous êtes capable de parler de. Deda Vimenka, qui sont call center. Est-ce qu'il me cache cherche ces formations là, capable de tout montrer, tout montrer qui sac Deda Vimenka. Ok. Par exemple, Deda Vimenka call center Santo Domingo.
Santiago, par exemple. Toujours à écran, pas vrai? Moi, OK. Donc là, on a montré une image de call center sacré Data Vimenka. Really? Donc ça c'est building là, ça c'est espace là. Là OK. Donc, alors, est-ce que ça c'est pas un atout que nous pas dû rater parce que nous avons recevoir un appel en créole et nous avons assisté monde qui est les en créole et majorité monde qui est les aussi des haïtiens qui ont c'est ça fait c'est un projet créole mais cependant et nous besoin en anglais un minimum anglais tout un anglais de base pour appliquer tout parce que training ou bien séance de formation que vous recevra pour permettre tout c'est en anglais que yo fait d'accord OK qui ça nous capable parler là pour nous continuer avec conversation que nous gagnons jeudi là. OK, moi-même, moi, j'ai une question pour nous capables de continuer. OK. Dans quelle zone, ici, dans Saint-Domingue, y a un monde capable d'un call center qui parle français? Très bien. Alors, étant donné que moi, je vis à Santiago, je suis capable de donner plus de détails sur Santiago. Moins pas un problème pour me traverser Santiago. D'accord. Bon, ça gagne un bon petit temps depuis que personnellement moi te connais un call center qui gagne campagne français qui était existé dans la ville Santiago là. Et ce sont des Canadiens qui étaient responsables call center ça. Dernière fois, moi t'as fait recherche avec un ami qui t'a besoin appliquer. Il paraît que yo t'a changé de localité et nous pas arrivé joindre qui côté exactement yo localisé. Mais cependant, bonne nouvelle Camille, c'est que il y a un call center dans Santiago qui est Synergy. Mais encore Synergy, moi j'ai des amis qui travaillent dans Synergy, ils ont une campagne côté qu'ils ont besoin en anglais intermédiaire, j'ai gagné ça. Mais on peut recevoir un appel tout en anglais en français parce que campagne ça c'est une campagne qui au Canada, ce sont des Canadiens qui relaient pour faire ça nous relaient commande pour commander un service ou bien un produit. Que nous pas gain droit citer dans conversation ça donc ça c'est une bonne nouvelle parce que vous besoin un niveau anglais intermédiaire et c'est pour juste placer en commande mon arrêté les dire que le besoin x ou y et puis vous comprendre et pour placer commande non demander l'adresse li côté l'irrité etc et puis là vous entrez commande là et il après c'est voir produit qu'il était voulait acheter comme on dit compagnie ça relé synergies. Synergies. Okay. Elle est là, na. Tout près et pas la capitale là. Alors depuis arriver dans Santiago, bon, moi Santiago nous allons parler sur ça après. Ok. Et depuis arriver dans Santiago, il n'y a pas de difficulté pour rencontrer Synergies Call Center. Ok, pas de problème. Quand on a une autre question encore. C'est que jeune. Allô? Bayou. On peut répéter la question? Jeune qui a venu ici.
OK? Qui veut travailler dans le call center? Qui conseil ou kabayo? Conseil que moi capable bayo depuis Haïti, yo doué qu'on est anglais. Okay. Yo doué qu'on est anglais, yo doué gen yon habilité pour communiquer en anglais. Parce que majorité call center yo, yo besoin moun ki konn parler anglais et pour travailler. Okay. Parce que l'autre par exemple, ou elle est vraiment rare pour me dire que mes côtés au call center qui parle que ou qu'à aller pour appliquer pour travailler parce qu'on parle français. Est-ce que vous comprenez? Mais cependant, pour anglais, on est capable de dire Vincent Sago demain. Bon, pour le moment ça là, nous en quarantaine, gagné pandémie, nous pas capable de dire ça. Mais avant pandémie ou bien après pandémie, pas gain d'autre pour venir Vincent Sago travailler dans un call center parce qu'il y a déjà une habilité pour communiquer en anglais. On comprend l'anglais au niveau advanced, au niveau intermédiaire, sans problème au travail. Bon, qui sont les jeunes qui ont sorti à Haïti besoin de gagner pour le travail sans problème? Ils ont besoin de gagner un minimum de connaissances en informatique parce que vous pouvez servir avec un computer ou capable, par exemple, copy-paste, vous comprenez, vous pouvez utiliser Word, ou qu'à taper parce que you can pass au typing test sur computer là, OK? Donc ou besoin pratiquer au moins une semaine, deux semaines, un mois à pratiquer typing test. OK? Donc ça c'est un atout. Ou doit pas timide tout parce que dans bien call center là, ou besoin un monde qui open, ça veut dire ouvrir pour communiquer. Bon, après ça, c'est ça. Ok, d'accord. Et puis nous parler tout pour nous répondre à question que les amis New York Haïti gagnent sous de industry call center là. Parce que ça déjà fait, depuis en 2015, oui, on travaille dans le call center Camille. Donc, nous parlons pour nous répondre à questions. Elle dit que ça c'est domaine. Nous sommes capables de dire que je fais une carrière dans ça parce que je travaille. Moi-même, sincèrement, pendant que je viens ici, sans avoir quitté par exemple de call center, je suis content de moi. Nous avons fait quelques recherches sur moi, mais au même là où vini Classim plus, c'est actif. Bon, avant ça, j'ai déjà fait une interview dans yon déjà, et j'ai dit que ça bon manqué une habilité dans l'anglais. Donc, rêve moi, Kouchev, c'est travailler dans yon call center. Ok? Rêve moi, c'est travailler dans yon call center pour me faire une carrière dans le call center jusqu'à ce que moi capable de sortir avec moi ici, j'aime moins vle là. Ou bien j'aime faire là. J'aime faire là. C'est que ouais. Pour moi même là, ou c'est yon, ou get un modèle pour moi dans le sens ça. Très bien. Comme ou get un modèle pour moi dans le sens ça, c'est que je pense que ou pral servir comme une référence pour chaque grand haïtien par rapport avec gens de formation sa yo qui veut travailler dans le domaine nan, c'est comme si ou pas l'apprendre ou les préliminaires, c'est comme si yo c'est ti moun qui fait ou même ou pas l'apprendre ou aller ou pas l'apprendre ou marcher. Exactement. Donc, pour moi même ou ka servir comme une référence dans ça pour chaque grand haïtien qui vient, spécialement pour moi même parce que c'est moi même qui est en souterrain ensemble avec c'est que m'est en office là ensemble. Très bien. Donc moi voulais pour prendre même pour guider m pour mener dans yon m'pa bon menti m'dou li clair c'est que après confinement on a bien pour parler ça en privé c'est que succès a dépend de où qu'on y a là. Très bien, donc moi promets tout moi animé pour soutenir pour aider et il y a une bonne nouvelle parce que moi t'ai mentionné des call center, moi t'ai mentionné des David Menka et m'ai parlé des synergies call center ça yo
yo kon strict tout en ce qui concerne document, mais yon bonne nouvelle kami parce que bon, c'est ça fait me parler dire c'est une meilleure call center qui gagne à Santiago parce que li bay en pile opportunité aux jeunes haïtiens. Call center ça les relé Uno. OK. Uno. Donc là en pile jeunes haïtiens à travers Uno. Et yo aide en pile. Donc Uno lui-même qui ça fait me dire c'est une meilleure call center qui gagne à Santiago. C'est parce que gen des moments dans l'année où nous pas strict sous document. Donc depuis que vous avez un passeport avec visa sous lui, ou déjà travaillé dans Uno. Okay. Mais est-ce que vous avez Oui. Okay. Wake. C'est United Nearshore Operations. Donc, yon moun, ou ka, jeune haïtien qui attendait nous là, ou ka appliquer depuis Haïti pour travailler dans Uno. Moi, j'ai rencontré plusieurs jeunes qui travaillent dans Uno, qui étaient appliqués depuis Haïti et Uno relé depuis Haïti. Ils commençaient une interview depuis Haïti dans le téléphone. En anglais. En anglais, bien entendu. Exactement. En anglais. Donc, continuer travail sur anglais a, et ou gagner un peu l'humilité, Kami, parce que vous connaissez que vous avez besoin de faire plus de travail. Continuer travail, et retravail encore. Et c'est ça qui fait force. C'est ça qui permet que ça joue si je prends, regarde un peu la vidéo pour modèle de prononciation. Parce que il y a un barré blanc, il dit que ça manque skills. Donc, il faut qu'on reconnaisse faiblesse pour capable travailler plus. C'est ça que je pense. C'est ça. Là, on commence à améliorer la prononciation. Puis, go barre m'ta de faire là, c'est al non coup, sincèrement. C'est al non coup. Et puis, pour m'ta jeune monde pour m'pratiquer. Très bien. Ça a fait des mampil. C'est ça. Pratique là, vraiment important. Donc, moi, m'encourage à faire ça. Toujours pratiquer. Ou ka servir avec YouTube tout pour toujours garder des vidéos qui ont rapport avec call center, tendre des musiques en anglais. Lire en anglais, donc pratiquer, faire tout ce capable pour travailler et travailler sur grammaire tout, tout bagaille net ou capable pratiquer et travailler pour gagner un niveau qui plus soutenu, faire pendant surtout pendant le moment de corona et tout de suite après pays à ouvrir le monde ouvrir ou pour aller on va jouer travail pour la, on va jouer à tout pour la qui va l'ouvrir pour vous, Camille. OK. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que là, ou non, il n'y a pas de strict sous question de documents. Donc, on va besoin... Ou qu'on travaille avec passeport. Et visa. OK. On va besoin de résidence, ni on va besoin de permis de travail. Au contraire, si vous avez résidence avec permis de travail ou pas de passeport, pas qu'à travailler dans Uno. Ça qui est bien important pour Uno, c'est passeport et visa. OK. OK. Alors, bon, est-ce que moun a obligé de gagner un niveau advanced pour travailler dans le call center? La réponse là, c'est non. Il y a un niveau intermédiaire et il travaille dans le call center. Pas oublier que ou qu'à travailler dans le call center, tout pendant c'est email ou envoyer et pour faire l'argent ou bien c'est chat ou chat sous ordinateur. Faire l'argent sans pas jamais recevoir un appel. Donc là, la demande pour compte. Même c'est parti qui intéresse mon pile, parti ou dia, parti chat, by ça, et puis pendant mon m'a pratiqué. Exactement. C'est comme ça que je commencé. Je me commencé dans un projet comme ça. Je t'ai envoyé email. Puis, en moins que 6 mois, je me suis traverser dans un projet voice comme si là mon tabral recevoir appel.
Ok, voilà. Donc, comment ambiance là est? Comment ambiance call center là est? Ambiance là, les mixer. Donc, bon, comment ambiance là est? Nous sommes capables de dire dans call center, ou capable faire quoi? Donc, revenu là, les normal, sont revenus normal parce que ça va dépendre de qui call center et qui projet jeunes haïtiens ou bien monde qui travaille dans call center fait économie parce qu'en pile call center ou touche chaque semaine bon nous pas obligé de dire combien on touche dans show là mais on touche chaque semaine gain pas quoi que on paye chaque quinzaine tu gain quelques call center que tu compte payer chaque 15 jours mais c'est chaque semaine que yo touché yo ba yo permet que yo gagne un compte en banque dans pays ya et au fait yo déposer comme là sous compte tout chaque vendredi majorité là dans chaque vendredi ça va arriver gagne quelques lots qui paye l'autre jour dans semaine là mardi par exemple. OK, donc ambiance là li normal parce que si on remet call center, on travaille dans l'espace qu'on remet. Si on remet parler avec monde, on remet communiquer, communication c'est domaine nous. On va se sentir à l'aise parce que on va aider l'autre monde. D'ailleurs, ou besoin remet aider monde pour travailler dans call center parce que majorité monde qui relè ou bien monde qui va assister, c'est aide qui va bayo. On comprend? Donc ou besoin yon moun ki remè rezoud problèm. Camille nan call center gen pile problème, gen en pile problème parce que c'est problème ou ap rezoud, ou comprenn? Ou c'est un customer care representative, ça veut dire ou là pour solutionner problème. Gen moun ki konn relo ki fâché, yo fâché. Oui. Donc ou besoin compte qui j'ai pour gérer ça c'est l'autre détail vous comprenez en bien ça fait me dire que les mixer ça arrive que il y a des monde qui dit oh les stressant parce que pour que ça mon après les mieux fâché automatiquement mon dans comme t'as regardé un résumé c'est que automatiquement mon fâché ou même ou gagner mon ou pour ramener mon pour d'abord c'est ou fin sa le moun nan, c'est tant de tout sa moun nan di. Fin de sa moun nan di ou si pa nan compétence ou. Si avant. C'est ça. Donc, et puis tout, pas oublier que ou après se voir yon formation, sa nou rele training, ki pral ba ou en pile outils pour qu'on ait qui gens pour gérer chaque appel que recevoir et pour gérer bien différents types de customers. Ça veut tout le monde qui au bras parler avec yo soit par moi email ou bien chat bien appel yo pas même gens vous comprenez donc pour besoin d'information qui a bah toutes connaissances qu'on a besoin gain pour gérer ensemble de clients ça. OK, moi comprendre et m'a dit merci tout parce que tu consacré temps ça pour moi, vraiment moi apprendre en pile et sincèrement ou remémorer espoir moi là. Merci Camille en même tout pour remémorer l'espoir parce que moi té gain idée mais sincèrement après interview m'té vraiment démoralisé parce que me dit que rêve moins pas réalisé et parce que pour gens dans interview le voulait m'aller bien bon yo dit malgré moi pas bon même n'a dépensé que automatiquement pas parler anglais pas quatre travail Camille oui alors moi désolé ça t'est arrivé mais moi content parce que gain humilité ou reconnaître faiblesse et on va travailler sur ça moi content tout parce que on va gagner pour faire une carrière dans call center parce que
moi-même, moi pas gain doute sur capacité, moi connais que vous qualifiez parce que vous pas le travail. Peut-être après un temps, si vous pouvez faire vidéo ça, ou bien vous pouvez parler sur expérience avec l'autre monde qui peut aller de vous même tout pour vous venir qualifier pour travailler dans le call center. Parce que moi-même, moi te font expérience qui est identique avec ça que vous faites. Peut-être nous pouvons parler sur ça dans l'autre occasion. parce que moi te passé la première interview dans Capital. Moi te gen travail là, on t'a pas touché 4500 pesos chaque vendredi, moi te tellement content, moi te dit me lever à terre, c'est pas le premier travail, c'est pas le premier travail qui me t'a pas gagné dans ici dans pays ça. Moi te content, moi te fait fête mais moi t'a pas perdu travail ça dans demain. Moi tu je viens travailler là aujourd'hui, on t'a pas le perdre le lendemain. Pour qui raison? C'est même bagarre là Camille. Moi pas gagner un détail sur call center vrai. Donc moi pas connait qui ça lié qui ça me pral faire. Donc là moi tu commencer suivre training ou bien formation hein, moi tu égaré. Moi pas comprendre rien, moi tu ouais ordinateur yo là, moi tu attendre à parler de monde pral reler projet, campagne, customer service, etc. En bonne bagaille, pas de comprendre jargon, thème ça. Yo. Donc, il paraît que l'Américaine qui a fait formation, tu es un psychologue. Bon, il te relève dans la pause là, il te relève et il te dit que tu pas qualifié pour travailler là. Tu as besoin de travail sous tes tout, peut-être pendant 3 mois. Et après on va retourner pour réappliquer. Donc moi tu je ne travaille là et me te perdre. C'est comme ça, je te dis tout, tourner sous 3 mois. Ouais ça. Donc ça me te fait moi te retourner la caille et moi te travaille, utiliser, retravailler, regarder des vidéos sur YouTube, regarder comment moi capable interview qui question qu'à poser, comment me répondre, travailler sur anglais, travailler typing test etc. Donc là, je suis venu qualifier pour l'autre call center dans Santiago. Ok, très bien. Là? Oui, c'est ça. Ok. Moi, je pense que c'est la même expérience là. Au contraire, les monsieur dit ça vaut mal les plates. Parce que les mêmes gars ont environ 30 à 45 000 pesos payés dans le call center ça. Pas moi. Oh oui. Chef, m'a regardé comme là, m'a regardé, il s'est dit met aller m'a repostulé sous 3 mois, m'a dit qu'est bon Dieu, regarde moi grave. M'a dit l'autre temps do pas gain guide parent avec tout parfois gain bagay ou envie réaliser dans vie pour garder pour essayer comme qu'il faut pas réaliser les puis ça vient permettre qu'on perdi une occasion. Mon cher, ça vraiment démoralise. Bah, essaye, laisse ça pour me prendre train, m'oublie à faire train net machine bon. Wow. Non ça... et non avenue John Kennedy à Capital. Bon là, moi comprends sincèrement comment tu vis l'expérience ça parce que moi-même tout. C'est une expérience comme ça que je t'ai fait. Ça était vraiment difficile parce que vous imaginez que je t'ai fait tout projet, que chaque vendredi, je vais toucher 4500 pesos sous cash. Donc, il y a un paquet de problèmes qui m'ont été montés pile sous pile. Je vais commencer à résoudre une par une. Moi-même, tout. Vous comprenez? Malheureusement. Projet est tellement pile, on est venu ici avec un cahier bien, détaillé. Ok. Donc projet est là et m'a garanti ou encore Camille, tout projet est à réaliser. Tout projet est à réaliser. Pas découragé et ou même qui a suivi chose à tout, qui gagne. Vision pour travailler dans le call center. Moins garantie que vous travaillez dans le call center.
continuer travail sur habilité que vous avez pour communiquer en anglais pour manœuvre computer et puis abonner avec channel YouTube noir ou gain moi abonné déjà oui plus information OK d'accord partager moi abonné déjà moi se voir toute vidéo moi c'est madame qui a poussé mon espagnol là. Oui, nous gain Common Institute que nous bail cours espagnol sous pas moyen de Zoom. Et Common Institute, c'est ça où tu as cherché en l'air aujourd'hui à terre parce que Kuyo pas cher du tout. Kuyo live et monde qui suivent Kuyo, capable de suivre yo, dans l'heure qui pi bon pour yo. Donc, professeur yo native, ça veut dire que c'est monde pays argentin qui bail kou espagnol ça yo. Oui. Alors, Camille, donc. Par contre, est-ce que vous avez une question? Mais c'est là nous allons mettre fin. Nous allons boucler. Eh bien, moi-même, simplement, m'a dit merci encore. Merci, merci, parce que nous avons passé ce moment ça ensemble. Moi, apprendre en pile. Et vous avez un espoir par rapport à ce que vous avez dit, moi, qui se travaille dans le call center. Parce que le rêve, c'est travail et puis après-midi. À l'école, ok, parce que c'est ça. Et puis pour me créer une stabilité, gens ou même ou fait là parce que me dit ou c'est modèle moi, parce que là avant faut respecter monde qui là avant. D'accord. Et monsieur Bagayo nous parler en privé pour suite nécessaire. C'est ça. Alors faut me dire Camille, c'était premier sorti Common Show. Okay. Donc c'est un privilège pour moi avec initier chose ça. Oh oui, pas de problème, mais moi ap toujours disponible pour n'importe sujet ou voulez pour n'importe et pour moi même tout cap faire en deuxième c'est concernant YouTube moi même tout moins gain en pile question sur ça parce que moi commencer un canal moi pas qu'à finir parce que sincèrement c'est sur téléphone moi m'étais commencé toute bagaille. OK, moi gain quelques questions sur ça mais ça fait sujet de un lot comment show. Exactement, y a l'autre comment show. Alors merci à vous même qui t'a suivre nous et qui déjà abonné et qui pourra le partager information ça yo pas qu'un bio personnel parce que ce sont des informations qui utile en pile jeune qui a cherché un travail parce que nous connaît qui j'ai situation monde là lié surtout situation pays nous Haïti donc jeune tant coup moi-même tant coup Camille qui voulait un pote de sortir, qui a une vision, qui voulait percer, information ça y a aidé nous. Et call center, c'est un tout. Surtout dans pays ça, qui c'est République Dominicaine. Pas oublier nous avons information tout sur comment on travaille depuis la caillou, lorsque vous avez un computer avec internet, ou qu'a toujours travaillé tout dans call center. Alors et c'était un très bel show. Merci encore Camille et merci avec tout monde qui t'attendait. Merci avec internet là en général, Facebook avec YouTube. Merci à tout monde qui t'attendait. Merci Kouchev et puis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye Camille. D'accord.